Salut tout le monde, c'est Largbo et on se retrouve pour un nouveau jeu de la semaine. Donc cette semaine, le jeu de la semaine est Scribble.io. Donc alors, le jeu Scribble.io, c'est un jeu où vous êtes à plusieurs, donc soit vous rejoignez des parties aléatoires en appuyant sur le bouton Play, soit vous avez Create Private Room, où là vous pouvez créer votre propre serveur avec vos propres règles et inviter vos amis dessus. Donc ce jeu, c'est un jeu en ligne sur Internet sur lequel vous allez pouvoir dessiner et vos amis vont devoir deviner le nom du dessin. Donc par exemple, deviner ce que je dessine, donc dire dans le chat, ouais, c'est une voiture. Donc ils disent voiture. Et s'ils mettent voiture avant le temps imparti de dessin, eh ben ils gagnent un certain nombre de points et puis à la fin, il y a plusieurs rounds. Et à la fin de tous ces rounds, la personne qui a le plus de points gagne la partie. Donc voilà, donc je vais faire quelques parties. Et d'ailleurs, on avait fait un event il y a pas longtemps sur Future Imaginity. Bon, on n'avait pas tellement parlé non plus, donc je vais voir si je peux pas mettre quelques extraits quand même. Mais sinon, il y aura des extraits de moi en train de jouer là, donc on y go pour le jeu de la semaine Scribble.io. Donc je sélectionne la langue française, voilà, vu que je suis français. Mon pseudo, le pseudo de la chaîne, donc Darkbo. Et on fait play, parce que du coup, on va jouer contre des aléatoires. Donc round 1 sur 1. Pour le moment, on a un seul round. Et là, on a le temps haut à gauche qui est marqué. Donc là, 70, c'est le décompte. Il me semble c'est 120 secondes, un truc du genre. On va remettre sur Scribble.io. Et je vais faire Create Private Room, parce que si vous faites ça, vous allez avoir de base les paramètres normaux d'une partie. Donc draw time c'est 80 secondes. Voilà, donc 80 secondes avec 3 rounds pour une partie normale de Scribble.io en aléatoire. Donc on va commencer une partie comme ça, play. Et là, le premier à dessiner, ce n'est pas moi. Round 1, on arrive au premier round en plus. Alors, oh, alors qu'est-ce que cabane? Cabane, ouais, vas-y, une cabane. Ok, bon, on va essayer un truc comme ça. Hop, une petite maison. Voilà, c'est une maison avec une fenêtre. Et là, presque. C'est presque ça, mon gars. C'est presque une maison. Là, hop, un truc comme ça. Non, non, presque. Je voudrais faire des arbres à côté. À côté, je voudrais faire des arbres. D'ailleurs là, il faut que je mette la porte à un endroit. Je peux la mettre ici. Hop. Non, c'est pas des fenêtres. C'est pas des fenêtres. Là, voilà, on fait un petit arbre. Un arbre à côté. Peut-être qu'ils vont penser une cabane. Et là, en marron, il faut colorier ici la maison en marron. Non, pas véranda. Hop, hop, hop. Voilà. Est-ce qu'ils vont pas... Oui! Oh! Ils ont... Ouais, voilà. Il y en a un qui est en train de trouver que c'est une cabane. Il y en a... Voilà, c'est bon. Il y a quelqu'un qui a trouvé. Ils sont en train de trouver... Oh, bah, voilà. Parfait. J'ai gagné 30 points, du coup. Je sais pas si c'est parce que, en fait, ils ont trouvé mon mot ou pas. D'ailleurs, là, je voulais colorier l'arbre à la fin. Bon, du coup, j'ai plus le temps. Mais du coup, Khaled choisit un mot. Alors... Qu'est-ce que tu vas nous choisir, toi? Un mot à 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Un mot à 5 lettres. Qu'est-ce que ça peut être? Oh là, putain, le mec, il met des gros traits. Bon, moi, vu que je lag un peu, c'est un peu long à tout afficher. Un bateau. Un bateau. Non. C'est rien du tout. J'ai l'impression que c'est rien du tout. Une croix. Peut-être une croix. Pas une croix. Bon, il a été kické vu qu'il faisait n'importe quoi. Je suis sûr, il dessinait pas vraiment. En fait, il dessinait n'importe quoi pour les autres. Et personne ne comprenait en plus. Une route. C'est une route. Une carte. Une table. Une boîte. Un colis. Non. Carton. Oh, j'ai trouvé. C'est du carton. Yes. Je suis le seul à avoir trouvé. Pour le moment, il n'y a personne d'autre. Oh, si, Immortal Dawn. Il reste 2 secondes. On est deux à avoir trouvé. Et j'ai gagné 375 points! Oh mon dieu, je suis premier! Je suis premier! Lara choisit un mot, ok. Round 2 sur 3, je vais peut-être gagner la partie. Il y a combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En vrai, je me base pas trop sur les lettres, vu que sinon c'est cornet de frites. Cornet. Cornet. Non. Frites! Oui, c'est des frites! Oh! Deuxième à avoir trouvé.
Un McDo, il met McDo dessus. Et du coup là, normalement, si vous sélectionnez un langage français, par exemple, vous jouez que contre des Français dès que vous êtes en aléatoire. En gros, les mots à deviner seront dans la langue que vous avez choisie. Donc moi, français, ça sera en français là. Voilà. Choose champignon. Oh! Oh oh! Peut-être. Marron. Merde, il est qu'un seul mec. Du coup, il l'a. Non, il m'a dépassé! Du coup, il l'a deviné. Putain, il m'a dépassé! Oh non! Attends, oh putain. Qu'est-ce qu'il va faire? Arbre. Rocher. Trèfle. Merde. Trèfle. Steak haché. Steak. Fantôme. Fantôme. Fantôme sans accent. Non. Écureuil. C'est Castor. Oui, j'ai gagné plus de points que lui. Non, oh, il reste, c'est le dernier round. Toyota aspirateur, aspirateur. Alors, je sais pas faire un aspirateur du tout. On va, hop, ça. Tac, 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 tac. Ouais, la machine. Voilà, je sais pas faire la machine. Et là, courant d'air, courant d'air, courant d'air, courant d'air, qui aspire par là. Non, c'est pas du vent. Non, presque. Il y a une machine. Machine qui aspire. Je sais pas s'il voit. Ah, j'ai pas moyen de faire mieux. Ah. Non. Ah. Objet. Tac, tac, tac. Ah. Un truc qui rentre. Tac. Tac. Merde. Ah. Je. Non, je. Ah! C'était un aspirateur! Oh, je suis premier quand même! Oh mon dieu! J'ai réussi à arriver premier! Yes! Bon, Pluton choisit un mot. Qu'est-ce que Pluton va nous sortir? Un mot avec un tiret! Y a pas beaucoup de mots avec des tirets! Est-ce que. Non. Souris d'ordinateur, je dirais, mais une pelle, une plante carnivore, un lance-pierre. Il est intelligent. Il est il se close. Lance-pierre avec un S. Oui, en plus c'est un génie, le mec s'est loupé deux fois et du coup j'ai pu voir que c'était ce que c'était. Parce que j'aurais pas deviné, je crois, sinon. Enfin, avec la flèche peut-être. Ça aurait pu m'orienter la flèche. Parce que la flèche va vers l'extérieur. Là par contre monnaie, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il y a un sac là avec monnaie. Ça doit être comment ça s'appelle? Les munitions. Voilà, les munitions du lance-pierre. Immortal Dawn choisit un mot. Combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lettres. Alors, 6 lettres. Arbre. C'est pas un arbre. Oh, sucette. Sucette. Oh, il a enlevé son truc. Ah non. Oh merde, il a colorié en bleu. Je sais pas ce qu'il a mis. Ciel. Ouais, tout le monde a pensé ciel. Nuage. Nuage. Maison. Non. Fusée. Décollage. Poulpe. Oui, j'ai trouvé. C'est un poulpe. T'es un génie. Oui. Oh. Et du coup, là, ils ont révélé une des lettres, le O. Ah, pieuvre. Ah, presque. T'es presque, Loïc. Non, océan. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, les gars. C'est pas une. Oh, oui. Poulpe. T'es en train de trouver. Mets juste le E et ça sera bon. Voilà. Nickel. Oh! En tout cas, j'ai été le premier à le trouver le mot, donc je suis plutôt content. Et j'ai gagné 285 points, je suis le premier! J'ai battu Immortal Dawn. Vague.
une vague. Moi, je mettrais comme ça. Tac, 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 tac. Hop, tac, avec océan, plage, et là, tac, 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 tac. Tiens, c'est trop simple. C'est trop simple, oui. Ils ont trouvé, oui. Oui. C'était trop rapide. Je peux pas faire plus. Les gars, c'est trop vous aider. Fly Thunder, oui. Allez, mais non, pas vagé. Pas vache. Ah, c'est bon. Il arrivait pas à l'orthographie. Plus 300 pour moi. Mais Immortal Dawn m'a rattrapé. Ouais, il est devant moi. Oh mon dieu. Duel. Alors, duel. Alors, tac. Ouais. Tac. Tac. Non, ça fait un sapin. C'est pas un sapin. Jugez pas. C'est pas... Étoile. Tac. 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 On fait le manche. Fou. Ceci est un manche. Contre une... What the fuck? Non, je... Mais je suis con, c'est pas comme ça les manches. Juste ça va suffire. Presque! Ils y sont presque! Fait effet! 1v1. Je sais que ça, ils ont trouvé. Non, mais non! 1v1, les gars! Oui! Non! Putain! Les gars! Flazender qui dit nul. J'avoue, je sais pas dessiner, mais bon. En tout cas, voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Donc le prochain jeu de la semaine, ça a été un peu décalé le tout. Donc le prochain jeu de la semaine, il sera mercredi prochain, comme ça après, ça sera pas trop successif entre les deux jeux de la semaine, entre celui de mercredi et celui de dimanche. Parce que si j'avais rétabli le bonjour cette semaine, j'aurais été trop consécutif à faire genre samedi dimanche ou juste vendredi dimanche. Donc voilà, donc le prochain jeu de la semaine sera mercredi prochain et celui d'après dimanche prochain. D'ailleurs sur Future Imaginity, les gameplays vont bientôt arriver. On attend vos gameplays d'ailleurs toujours. Il y en a pas eu beaucoup qui nous ont en envoyé. Il y a même personne, je crois en vrai. Donc n'hésitez pas à envoyer vos gameplays sur les jeux de la semaine, donc sur celui-là aussi si vous voulez, et on pourra très bien les afficher sur nos vidéos de Future Imaginity. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur Darkbow, et à la semaine, enfin à mercredi prochain pour un nouveau jeu de la semaine Future Imaginity. Sur ce, c'était Darkbow de Future Imaginity. Tchuss!